amis, j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va super bien. Alors on se retrouve après une longue période sans vidéo sur la chaîne. Alors de toute manière, je vais vous expliquer tout ça en vidéo, pourquoi on a été aussi absent. Et vous verrez par vos propres yeux que ça valait le détour. Et puis ben, juste avant de vous en dévoiler un peu plus, je vous laisse avec le générique. Abonne-toi. Comme je vous le disais en début de vidéo, nous avons été absents assez longtemps sur YouTube, mais c'était pour la bonne cause. En fait, je vous explique. Avec le confinement et tout ça, ça nous a fait réfléchir en télétravail et tout. Avec Franck, donc le papa de Corentin et Océane, et on a décidé de changer de vie. Alors, changer de vie, plutôt changer de travail. Alors, je vous explique, pour ceux qui ne le savent pas, Franck était commercial. Moi, j'étais mère au foyer. Bon, avant, je travaillais, mais avec les enfants et tout, j'ai décidé de me consacrer aux enfants, donc d'arrêter mon travail. Et il fallait que je reprenne une activité. Donc, on a décidé avec Franck de changer d'optique et de se remettre dans la restauration. Oui, parce qu'avant nous étions dans la restauration. Et, mais la restauration assez spéciale, on va dire la restauration itinérante. En fait, on a décidé de monter un food truck. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait de vidéo pendant toute cette période. Parce qu'en fait, entre les fournisseurs, retrouver un camion, etc., ça a été plutôt compliqué. On avait vraiment, vraiment beaucoup de travail là-dessus. Donc c'est pour ça. J'espère que vous nous excuserez. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. D'ailleurs, je vous filmerai toute l'évolution des travaux, etc., au fil du temps. Puis comme ça, ça nous laissera un peu des souvenirs. Puis comme vous aimez un peu savoir ce qui se passe et tout, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous dit. À commenter aussi si vous pouvez. Et puis voilà. Donc en fait, je vous disais. On a décidé de monter un food truck, donc c'est un camion de restaurant sur un thème très spécial de nourriture. Ça va être des spécialités qui ne sont pas partout en France, mais ça je vous le dévoile pas tout de suite. Je vous laisserai deviner, peut-être avec la déco et tout ça vous allez le deviner. Donc là on a le camion. Alors le camion on est allé le chercher il y a quelques jours, c'est un camion, il est déjà ouvert et tout ça. On l'a acheté un fourrin, mais pour le moment il a rien à l'intérieur, donc il va falloir tout créer. Donc là je vais vous filmer le camion maintenant. Et puis après on va se retrouver parce qu'aujourd'hui on va aller au magasin pour aller acheter les premières planches et tout ça pour faire la préparation du camion. On a déjà commandé le matériel à mettre dedans. Mais voilà, donc là il faut déjà commencer à le peindre à l'intérieur. Ensuite il y aura l'étape du flocage extérieur, donc ça s'appelle un covering. Après il faudra mettre en place les machines et tout ça. Enfin bon, il y a plein de choses à voir sur ces vidéos. Ce sera une série de plein de vidéos je pense. Donc là on va se retrouver avec la présentation du camion à l'état brut comme on l'a acheté, et puis après on se retrouve au magasin. Et puis après le magasin je pense que je ferai une coupure entre dedans parce que c'est pas marrant d'aller au magasin vous montrer toutes les planches et tout qu'on achète. Mais après on se retrouvera pour la conception en fait intérieure du camion. Donc je vous présente le camion. Alors attention, le camion il est derrière moi là, vous le voyez là, il est là, voilà. Alors voici le camion en question. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai eu un appel juste avant la coupure, donc désolé, mais bon c'est les aléas de la vidéo. Donc voici le camion qu'on a acheté. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un Renault Master T33, donc très grand. Voilà, il est tout blanc et au dessus en fait là c'est pas levé, mais il y a une grande enseigne. Et là en fait c'est toute l'ouverture du camion, mais ça je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je suis un peu petite, j'arrive pas à le refermer. Donc voilà le camion là, il est tout blanc. Bon, on va refaire quelques trucs à des endroits et d'autres là, des petits mastics et tout. Il s'ouvre à l'arrière comme ça, voilà. Donc là il y a les ouvertures arrière. Et ensuite nous avons sur le côté, voilà l'ouverture. Donc c'est un camion hein, c'est un camion blanc. Et puis voilà quoi, oula je vais y tomber. Et puis voilà, bah, l'intérieur hein, c'est un camion quoi. Voilà, tout blanc. Vous allez voir qu'au fil des vidéos il va se transformer. Voilà, donc là je vais vous montrer juste l'intérieur pour vous montrer comment c'est dedans. Alors si j'arrive à l'ouvrir, et j'arriverai, voilà, ça y est, voilà l'intérieur comment il est. Alors il n'y a rien au sol, il va falloir tout nettoyer et tout. Là vous voyez l'ouverture qui est là, voilà, grande ouverture. Et là on va monter dans le camion. Là on a l'ouverture sur le côté, voilà. Et puis là, ben, voilà, c'est comme ça quoi. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Le camion est comme ça. Là, on va fermer. Alors on va fermer ici.
On va refaire ici. Là, on va refaire ici. On va refaire quoi? On va tout peindre, tout propre. On va tout mettre propre. Et là, il y aura deux frigos. Là, il y aura un plan de travail, une étagère en haut. Ici, un plan de travail qui va faire tout le long là et qui va revenir dans le renvoi comme ça. Et puis là, il y aura des machines, etc., une friteuse et tout. Donc, je vous laisse donc avec la suite. Donc, on va aller chercher le matériel avec Franck et on se retrouve, eh bien, je pense, pour la peinture ou la mise en place du matériel. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, on a terminé de faire les courses. Alors ça fait 2 jours depuis le début de la vidéo qui se sont écoulés parce qu'on a fait plein de magasins. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté, puis après on va s'attaquer à la peinture, je pense, du camion en premier. Donc vous allez voir qu'on a acheté vraiment beaucoup de bois. Je vous mets ça tout de suite. Alors voici, voilà un peu tout ce qu'on a pris. Donc là il y a les plans de travail avec de l'inox aussi. On a là des grandes planches, plein de petites choses pour les portes des placards, plein de planches et encore un peu de travail inox. Et encore des planches et des planches et des planches et des planches et des planches. En fait, on nous a coupé une trentaine de planches. C'est juste énorme. D'ailleurs, on remercie le monsieur qui était à la découpe de bois chez Castorama Anime, qui a été super parce que normalement, il fallait attendre 48 heures dans d'autres magasins. Et nous, il nous a tout coupé, tout ça, tout de suite. Donc, si on regarde la vidéo. Eh ben, gros merci à vous. Voilà, donc tout ce qu'on a pris. Et ensuite, on a papa là qui est en train de travailler. Coucou, tu fais quoi? Je cherche une clé. Une clé. D'accord, on va te chercher la clé. Hein. On a même Rookie qui vient nous aider. Et là, donc, il a déjà commencé hier, un petit peu. Alors en fait, il va rhabiller ici ce matin, faut que je fasse le dessin. Et là, il a commencé à rhabiller là. Coucou. Il a commencé à rhabiller là, vous vous souvenez, c'était abîmé. Et là, il est en train de faire ici. Et puis, on va peindre tout ça hein, quand ce sera prêt. Donc, voilà. Et puis là, c'est ouvert. Comme ça, on est bien à l'air. Et la peinture, je ne sais pas où je l'ai mise. Il y a beaucoup de peinture. Ah, bah, elle est là. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup de bombes de peinture. On l'a testé hier. C'est un bleu magnifique. Vous devinerez pourquoi on l'a fait bleu, le camion. Et quand je vous aurai dévoilé ce qu'on va faire à l'intérieur. Bon, ben moi je suis en tenue de combat, comme vous voyez, je me suis changée forcément, ça fait 2 jours, du coup ma douche est tout entre temps, vaut mieux. Et ben je vais attaquer et faire les plans. Désolée pour le vent, il y a un peu de vent aujourd'hui, ça va nous rafraîchir, je vais rentrer dans le camion, il y a un peu trop de vent. Voilà, donc je vais aller installer la caméra sur un trépied je pense, et puis je vais commencer à faire les petits trucs ici là sur les côtés là que je dois dessiner et tout, pour pouvoir que Franck il coupe le bois pour cacher tout ça. Bon, allez, à tout de suite.
y est, la peinture est terminée. Comme vous voyez, c'est tout bleu. Tout est bleu. On a passé un moment, hein. Et plein de couches. Alors là, vous voyez, il y a encore des traces, mais on va vernir tout ça. Peut-être cette verre moins, et puis il y aura des meubles et tout. Donc je pense que ça ira beaucoup mieux après. Donc on va terminer les peintures. Et là, papa, il est en train de, bah, de monter les plans de travail. Ça va? Ça se passe bien? Ça va. Bon, ça va. Moi, je vais vous dire à bientôt parce qu'on va se retrouver eh bien, quand le camion sera terminé. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Allez voir le site internet du camion. Il est déjà là dans les liens de la description. Et puis... aussi, vous pouvez voir l'Instagram du camion, puis notre Instagram et tout ça. Enfin, tout sera dans la description. Moi, je vous fais les gros bisous. Je vous fais, je vous dis à bientôt. Et puis, ciao. Hein. Voilà, on se retrouve à la fin du camion. Hein, quoi dire de plus? Bisous, les amis.